Arrête de croire que t'es plus grand que moi, tu fais les meilleurs burgers. Eh, hey, depuis tout à l'heure, elle croit, fait des meilleurs burgers que moi. Vas-y, bref. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Yo! Aujourd'hui, défi meilleur burger de France. Après avoir frappé à la pizza, après l'avoir frappé au tacos, maintenant en fait, je la frappe au burger. Tu m'as pas du tout frappé au tacos ni à la pizza. Ceux qui l'ont dit. Donc là, on a tous les ingrédients disponibles et inimaginables pour faire le meilleur burger. Pierre, feuille, ciseaux qui commence. Pierre, feuille, ciseaux. Pour une fois, je gagne! Incroyable! Ça, tu peux taper, c'est, je vais à la muscu, c'est trop dur. Aïe. Donc là, la famille, on a des pains. Mais écoutez bien les pains, écoute pour toi aussi. On a du pain brioché. Genre, c'est une brioche le pain burger. C'est les nouveaux burgers Smash Burger, je sais pas si vous connaissez. C'est les trucs qui sont en bateau. Et on a des burgers géants. Donc je vais commencer par le pain brioché, les frais. Le rond-copieur. T'avais commencé par ça? Bah oui. Donc on commence, première étape, on découpe en deux. Oui, toi. Waouh, incroyable. On va commencer par de la crème fraîche. Parce que vu que le pain il est doux, faut garder la douceur. Regardez la douceur. Ensuite, pour garder la douceur, on va rajouter du fromage. Ici, on a une grosse escalope de fromage. C'est full fromage, ça, c'est de la mozzarella. Mais moi, le mien, il va dégouliner. Hein. Ah non, j'ai oublié. Pardon. D'abord, on va rajouter du bacon de dinde. Quoi? Voilà, regardez. Bacon de dinde. Non, c'est pas halal. Bah oui, c'est halal. Tac. On rajoute encore un bacon de dinde. Mais en moins un peu. Ouais, je vais t'en laisser, frère. Et on va rajouter, faut pas que je fasse de la D, quelques frites dessus. Par contre, dis-moi que si tu rajoutes du fromage, ça va fondre. Ah, ça. Justement, ça sert à rien. Là, ça sert à rien de rajouter du fromage, je t'explique. Hein, parce qu'on a déjà un gros pavé de mozzarella. Et on rajoute un peu de sauce crème fraîche. Voilà, ça, c'est mon premier burger. Simple, efficace. Faut pas faire n'importe quoi. C'est pas des tacos 3 viandes, t'as vu, mettre des pneus, des couvertures. Ouais, je vais commencer avec ce pain-là. Le géant! Non, je rigole, je vais laisser pour la fin. Je vais faire deux tacos. Enfin, deux trucs comme ça. Ça commence mal, les frères. Elle a dû à faire un tacos. Tu veux même commencer par mettre des frites. Je rigole. Je sais pas si je mets du ketchup ou de la mayo. Attends, je t'ai pas présenté la nouvelle sauce. Sauce barbecue miel. Barbecue miel. Mais assume tes choix. Assume tout un peu. Désolé s'il y a un peu le bruit du four, parce que tout vient de cuire, tout vient d'être fini d'être cuit. Oui, mais non, et le four, il met 10 ans à arrêter de s'éteindre. C'est vrai ou c'est sur celui-là? Ça, son truc, il aura bien le goût du ketchup, hein, la blindée. Je vais essayer, c'est toi, tu m'as dit. Est-ce que tu veux que je te donne une technique? Parce que vas-y, je suis un bon joueur. Je te donne une technique. Tu comptais en mettre là du ketchup? Oui. Tu fais juste ça, c'est tout, mon frère. Tu fais ça. Voilà, voilà. Dis merci. Je vais mettre ça. Ok, mozzarella. Ah ouais, en vrai, tu peux tester, mais. Tais-toi. Le gros porc en moi, il veut trop parler. Ok, rajoute du bacon. Pas mal. Et... ah, elle a eu une vraie idée, j'ai le seum. J'espère que ça sera pas plus bon que moi. Ok, elle a un vrai burger là. Oh, il est incroyable aussi. J'espère qu'au niveau goût, je vais la taper. Maintenant, on va en faire un dernier. Celui-là, c'est nous deux qui allons mettre les idées ensemble, ok? On prend un géant burger. Là, par contre, je vais le faire à géant la burger, on va mettre la sauce barbecue miel. Ok. Ok. Ça, c'est pour nous deux? Ouais, c'est nous deux, on a l'idée. Okay. Barbecue miel. Ensuite, tu proposes qu'on rajoute... Attends, laisse-moi mettre la sauce. Ensuite, on met un cheddar. Un cheddar. Ouais, d'accord. Et par contre, c'est toi qui défiles tout, là. Parce que toi, tu vas mettre n'importe quoi. On met la grosse truc de dinde. Après, je propose qu'on mette. On met un bacon de dinde. Oh là là, ça va être incroyable. Ouais. Et on remet un cheddar. Ok. Ok. Hop, et je te propose qu'on rajoute un tout petit peu de barbecue sur le haut. Vas-y. Comme ça, c'est généreux. On va les mettre dans la machine à tacos. Attends, on va les mettre dans la machine à tacos. Alors, surveillante, ça en est où, surveillante? Bah, c'est presque cuit. Vas-y, ouvre un petit peu pour voir comment ça dégouline. Oh lolo, les gars, des vrais burgers. Regardez la cuisson. Oh lolo. C'est parti, le moment préféré de la vidéo. On a bien sûr des frites. S'il y a des burgers, on est d'accord qu'il y a des frites. Ouais. On va commencer par le burger commun. C'est comme ça, celui-là, le burger qu'on a fait nous deux, il est vraiment balèze. Par contre, moi, j'ai pas tout décidé dedans. On va le découper. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Attention. Normalement, un burger, ça se découpe pas, hein. Ça se croque. Tu veux pas qu'on le laisse plutôt pour la fin? Non, c'est au début, ça. Regardez-moi ça. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Tiens. Le fif. En même temps, comme ça, on regarde. On fait un croc normal et on va regarder la différence de croc, ok? 1, 2, 3, bismillah. La sauce barbecue miel, elle est magique. Je sais pas comment vous pouvez aller manger au McDo et dans les restaurants claqués
quand on pouvait faire ça à la maison. Frère, c'est trop trop bon. Celui-là, bien joué, on a bien relevé le défi. Là, c'est bon, il reste nos burgers à juger. Là, c'était... Ça me donne envie de tous être tellement c'est bon. En vrai, on va commencer par le tien, je pense. Tu peux me faire une coca? Tu veux du coca? Ouais. Aïe. Oui, regarde comment je suis un boss. Carré. C'est pas bon, ça. Alors, le burger, bien évidemment, je lui mets la note de 8 sur 10. Il est vraiment hyper bon. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dedans? Peut-être changer le fromage. Mettre un fromage encore plus fondant, t'as capté? Ouais. Mais sinon, c'est carré. Ouais, moi, je suis d'accord. Vas-y, on goûte le chien, on le découpe? Non, on commence par le chien. Pourquoi? Bah, ok, vas-y. Mais laisse-moi le découper, alors. Okay. Ah, faire comme... n'importe quoi. Je découpe comme ça? Non, moi, mets-moi un petit bout, un tout petit bout. T'es sûr? Ouais. Tu veux que je découpe? Vas-y, découpe. Laisse ma tête aller faire n'importe quoi. Moi je prends que ce. Mais en vrai, vas-y, tape ton croc et je tape mon croc. Frère, je sais pas comment on fait les ravageois. Tape ton croc et je tape mon croc. Bismillah. Ouais, je tape vraiment l'œil. Ah. Moi, je suis un Yeti. À mon tour. Bismillah. Alors? Waouh. Là, j'ai fait ma réaction directe parce que quand tu tapes un petit croc, tu peux savourer un petit peu. Quand tu tapes un gros croc, tout est dans ta bouche, tout ça. Il est trop bon ton burger, je suis choqué. Il est grave. Attends. Il va rester le mien. Il est doux, c'est ça que j'aime bien dans les burgers. Quand c'est doux, mais c'est que c'est grâce au pain brioché. Celui-là, il faut vraiment que vous le testiez, la famille. Hein. Incroyable ton pain. 9,9 sur 10. Moi. Le mélange du poisson. Oh, c'est incroyable. Moi, je mets la 10 sur 10. Toi, tu te mets 10 sur 10, c'est mérité, c'est carré. On va voir le mien. Putain, du coup, maintenant, j'ai peur. Comme ça, tac, tac. Tu commences. C'est trop fort. C'est parce que c'est le tien, c'est tout. Sois juste honnête. Croque, je dis rien, je la laisse. Je l'ai terminé, frère. Moi, ton taco, ton truc, je mets. Je sais pas, franchement, j'ai. Attention. 9 sur 10. 9 sur 10, du coup, t'as gagné. Ouais. Ouais, mais je suis. On a égalité parce que toi aussi, t'as dit. Je peux pas dire que t'as gagné parce que le mien, il est 1000 fois plus bon que le tien. Tu es sérieux? Ouais, faut dire la vérité. Non, en vrai, là, on va vous laisser choisir comme d'habitude. Si vous pensez que Miram a gagné, vous votez pour elle. Si vous pensez que moi, j'ai gagné, votez pour moi. Je sais que vous pouvez pas goûter, mais bon. On a des petites frites aussi. Mais cette sauce là, vraiment pas mal. Nous, on va vous laisser là, la famille. C'était magnifique, franchement, incroyable. Prenez soin de vous, à la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao. Le mien, il était 1000 fois plus bon, désolé. Mais dis la vérité, frère, le mien, il était plus bon. C'était le mien. T'es pas honnête.